j'étais pas la seule à vous identifier, il y avait deux autres témoins. Eh ben alors, c'est que je suis coupable. Il n'y a pas de problème. Allez, montez. C'est très sombre sur cette route. J'ai eu tellement peur. Je leur ai dit au commissariat que j'étais pas sûre, mais... Enfin, Brochard et Losserand n'ont pas pu se tromper, ils vous connaissaient. Ils vous ont déjà vu. Bah, vous aussi, vous m'aviez déjà vu. Moi ? Oh. Si je vous disais que j'étais à votre anniversaire en avril dernier. Si vous étiez à mon anniversaire, je m'en souviendrais. J'étais beau pourtant. J'avais une cravate noire, un pantalon noir, une veste blanche. C'est vrai que j'étais beau. Un peu le style agent secret, James Bond, vous voyez. C'était la première fois que je mettais un smoking. Et si j'avais été une femme, je serais immédiatement tombée amoureuse de moi. On s'est croisés comme dans les films. Je descendais l'escalier et vous montiez à ma rencontre. Bien, vous pouvez commencer à dresser le buffet. Si vous avez un problème, vous vous adressez à la cuisine. Ce soir-là, j'ai compris qu'il y avait deux façons de porter une veste blanche, comme un homme ou comme un garçon. J'étais sûrement plus beau que James Bond et personne m'a remarqué, et je sais pourquoi, parce que j'étais du mauvais côté du buffet. Et si Brochard et Losserand m'ont identifié, c'est pour la même raison, parce que j'étais du mauvais côté. Arrêtez-moi là, j'ai envie d'un café. On vous a sorti de prison pour jouer au football ? Oui. On vous y remet après ? Oui. Oui. Je vous dis, c'est pas important. On sort de tôle, on refoue en tôle. Ça dérange pas. Je suis un type sans importance. J'étais déjà un bébé sans importance. Ici, on m'a mis à la crèche, moi, quand je suis né. Hein. Énorme crèche avec des enfants partout. Partout. Puis moi, au milieu. Je suis un bébé dans la foule. Ouais. C'est une voisine qui venait me chercher. On m'avait accroché un truc au poignet pour qu'elle ne me confonde pas. Et alors ? Un jour. Il y a eu une bagarre de bébés. On a été trois ou quatre à casser notre bracelet. Et la voisine qui savait plus où elle en était, elle en a pris un au hasard. N'importe quoi. Non, pas du tout. Pas du tout, je plaisante pas. Je suis pas du tout certain qu'elle a porté le bon. C'est peut-être pas moi qui vous parle en ce moment. Bon, on y va, vous me déposez ? Où ça ? En prison. J'ai pas envie de jouer, moi. J'ai pas envie de jouer pour ces cons.